Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous allons débuter ce concert avec les Pichounes, les petits jeunes de la classe d'orchestre de l'école municipale de musique. N'est-ce pas, Mathieu? Vous devez? Cathy? Sophie? Ils ont 1 ou 2 ans d'ancienneté dans la musique. Ils se retrouvent pour répéter tous les samedis dans la joie et la bonne humeur. Il faut dire qu'ils viennent avec leur joie de vivre, leur innocence, et ils y mettent tout leur cœur. C'est pas évident. Jouer ensemble, c'est tout un art. Car il faut apprendre à écouter, à regarder le chef, le tout en suivant la partition. Et c'est là que ça se complique. Heureusement, nous partageons aussi de bonnes parties de rigolade. Et je dois avouer que le chef, sans nommer M. Christophe Laloux, doit avoir le cœur bien accroché. Car quand on a une bonne oreille, parfois, c'est limite audible ou très contemporain, alors ce n'est pas l'effet recherché. C'est d'ailleurs pour eux le premier ou l'un des premiers concerts. N'est-ce pas, Thibaut, à la trompette? N'est-ce pas, Thibaut? C'est là. Gabriel. Ils peuvent être fiers du chemin parcouru depuis le mois de septembre. Nous rencontrons pourtant un gros problème. C'est qu'au sein de ce groupe de jeunes musiciens, deux tribus s'affrontent. C'est la guerre entre eux. Nous avons les Vikings, qui sont représentés par les cuivres de l'orchestre. Ils se croient plus forts et meilleurs que les autres. Mais c'est sans compter sur notre deuxième tribu, les créatures des lacs, les bois, qui ne donnent pas leur part aux chats et revendiquent leur supériorité. Thank you.
Maintenant, nous allons vous interpréter le chant de notre deuxième tribu, Ogopogon, de Robert Butler. Notre grand chef a certes déjà réussi à dompter plus d'un musicien, mais jamais Ogopogon, la créature légendaire d'un lac du Canada. Bonne écoute! Thank you.
une catastrophe, vous sentez. On a eu très 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 peur pour elle. Et soir, elle est quand même là avec nous. Voilà, je vous dis, elle a fait un AVC, léger. Elle a fait un AVC. Et c'est pas rien. Et Catherine, en fait, c'est une prof sur qui je peux toujours compter, c'est une amie. Et en fait, avec tous les élèves de l'école de musique et les membres de l'harmonie ce soir, en fait, ce soir, on peut lui faire un petit présent.